Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre du Travail, Mesdames et Messieurs les présidents et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, il est des moments où l'optimisme s'apparente à une forme de courage. Je crois que nous traversons l'un de ces moments-là qui rendent l'expression traditionnelle des vœux de début d'année particulière, difficile, mais néanmoins nécessaire. Nécessaire et même vital. À défaut, cela sonnerait le glas de tout projet, ce serait céder au découragement, renoncer à l'action et s'interdire l'espoir, ce qui n'est à l'ordre du jour de personne dans ce pays, et certainement pas de celles et ceux qui sont ici présents. Des vœux, il va de soi que j'en forme donc pour vous toutes et tous, qui dans cet hémicycle, celui de la troisième chambre constitutionnelle du pays, est ici réuni, mieux encore, rassemblé. Que le bonheur, la santé, la prospérité et la réussite puissent être au rendez-vous de 2016 pour vous, pour vos familles, vos proches, pour tous ceux que vous aimez, chérissez, estimez et respectez. Monsieur le Premier ministre, ces vœux s'adressent pareillement à vous, le plus simplement du monde, à votre personne, à votre famille, à vos proches, mais également le plus démocratiquement du monde, au chef de gouvernement que vous êtes. Car les vœux que nous présentons au Premier ministre, nous les formons indirectement pour les Françaises, pour les Français, pour notre pays et pour la République. Nous souhaitons bien sûr, quelles que soient nos sensibilités, que 2016 soit l'année d'une croissance forte retrouvée, celle d'un recul du chômage. Nous souhaitons bien sûr tous que la paix sociale soit la règle et les conflits l'exception. Nous souhaitons bien sûr tous que la société se rassemble, que les communautés qui la forment vivent en bonne intelligence et que les Français, sans distinction, retrouvent cet optimisme, cette envie d'entreprendre qui semble parfois trop souvent leur manquer. Nous souhaitons bien sûr tous le meilleur pour notre pays, pour nos concitoyens, même si nous savons les difficultés à affronter, les obstacles à franchir, les caps à doubler, les équilibres à trouver, le populisme et les extrémismes à combattre. Malgré tous ces défis, peut-être aussi parce qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, vous nous voyez, Monsieur le Premier ministre, plus que jamais déterminés, prêts pour ce qui nous concerne à apporter notre pierre, nos contributions, nos expertises pour aider à atteindre ces objectifs. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, mais bien l'expression d'une volonté. Faire des vœux est facile et somme toute assez conventionnel. Le chef d'entreprise que je continue d'être préfère parler des moyens de les réaliser. Permettez-moi à cet égard une réflexion et un souhait. Si le président est le garant des institutions, vous l'êtes aussi dans les faits, Monsieur le Premier ministre, puisque vous mettez en œuvre une politique et êtes en mesure d'utiliser tous les outils institutionnels à votre disposition. Nous tomberons sans doute d'accord pour dire que garantir les institutions, ce n'est pas seulement les défendre, c'est aussi s'assurer de leur bon fonctionnement, c'est veiller à ce que les institutions soient utilisées dans l'esprit où elles ont été créées, leur permettre de travailler à l'évolution de notre société avec le recul et l'audace nécessaires, leur donner la capacité d'agir avec une efficacité maximale afin de servir ainsi les Français qu'elles représentent. Vous voyez sans doute où je veux en venir, Monsieur le Premier ministre, et au souhait que je veux exprimer devant vous. Je pense qu'il est temps que le Conseil économique, social et environnemental soit utilisé au maximum de ses capacités qui sont grandes. Il est temps que le Conseil soit mis pleinement et régulièrement à contribution, consulté conformément à sa mission constitutionnelle première, donner au gouvernement un avis expert. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est une petite France, rassemblée au Palais Diana, un outil unique, spécifique, un outil que compose une diversité d'hommes, de femmes, d'origines sociales diverses, issus d'horizons professionnels variés, aux engagements multiples, au service des autres et donc du pays. Nous sommes aux côtés du Sénat et de l'Assemblée nationale, une autre représentation de la nation. Je tiens d'ailleurs à souligner
auprès de vous, Monsieur le Premier ministre, que notre Assemblée est presque paritaire. Encore un petit effort et nous le serons. Je crois d'ailleurs que nous sommes dans l'attente d'un texte qui permettra à l'un de nos groupes de compléter sa représentation. Enraciné dans le quotidien de nos concitoyens, en prise directe avec la réalité qu'ils vivent, loin des débats et des salons parisiens, loin des considérations d'opportunités politiciennes. Ce sont des dizaines de millions de Françaises et de Français de métropole et d'outre-mer dont nous sommes les porte-voix. Délégués de dizaines de millions de salariés, d'artisans, de défenseurs de l'environnement, de représentants de la jeunesse, du monde de l'entreprise, du monde rural ou de la galaxie associative. Notre Conseil a su par ailleurs se réformer, se rajeunir, se moderniser quand sa dimension environnementale est venue s'ajouter, il y a un peu plus de 5 ans, à ses dimensions économiques et sociales, par exemple. Ce qui fait au passage du CESE l'institution sans nul doute la mieux placée pour apprécier les conditions de suivi des engagements pris il y a quelques semaines lors de la COP21. La polyvalence et la complémentarité de nos sections en font une assemblée particulière, originale dans notre logiciel institutionnel, une assemblée qui colle à la réalité du pays. Nous sommes, malgré les esprits chagrins qui régulièrement demandent notre disparition, une institution en parfait état de marche et qui ne demande qu'à servir davantage toujours les Français. À tenir son rôle, terme aujourd'hui consacré de consultant de la République, d'observateur de la société, d'évaluateur des politiques publiques. Et je veux vous faire une confidence, Monsieur le Premier ministre. Notre Conseil, nous l'aimons. Nous croyons à la valeur de ses travaux et dans les valeurs qui font son identité. Pour nous, la réflexion consolide ainsi la décision et légitime l'action. Pour nous, le dialogue et la concertation ne sont jamais du temps perdu. Et le consensus n'est pas une utopie, mais une réalité dès lors qu'on se donne un peu de mal pour le rechercher. C'est ce qui donne beaucoup de force à nos avis et finalement peu de poids à nos détracteurs. La méthode que le collectif qui m'a élu à sa présidence a souhaité promouvoir, elle est claire. Elle est basée sur une réflexion collective, sur la recherche optimisée des convergences, sur la définition des priorités. Notre mission est d'éclairer les débats, ceux que lance le gouvernement, ceux que les Français ou une actualité particulière font naître naturellement. Notre mission est pareillement d'expliquer certains enjeux plus multiformes qu'il n'y paraît et de faire apparaître des lignes de partage, des possibles consensus et pourquoi pas favoriser des accords. En matière d'État, il faut tirer profit de toute chose et ce qui peut être utile ne doit jamais être méprisé, disait le cardinal de Richelieu dans son testament politique. Je veux ici reprendre cette maxime d'État à mon compte, à notre compte, c'est-à-dire au nom du Conseil économique, social, environnemental, car nous sommes déjà utiles, mais nous aspirons à servir encore davantage notre pays. Je vous remercie. Madame la ministre, chère Myriam El Khomri, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, vous présidez aujourd'hui, Monsieur le Président, cher Patrick Bernasconi, votre première séance plénière du Conseil économique, social et environnemental. Et je voudrais d'abord vous féliciter pour votre élection. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours avec votre bureau pour commencer à travailler et asseoir notre relation. Et je sais combien vous aurez à cœur, c'était clairement affirmé dans votre projet de candidature, de faire peser plus encore, vous venez de le dire, le CESE dans le débat public et de renforcer ses liens, nous y sommes prêts, avec le gouvernement et avec le Parlement. Un de vos vice-présidents me disait il y a quelques jours, le CESE est utile, mais il pourrait être plus utile encore. C'est ce que vous venez d'exprimer au fond également à travers vos propos. Et sachez que cette volonté de travailler davantage ensemble est partagée. Car oui,
le Conseil économique, social et environnemental est utile. Il est même, par ses réflexions, ses travaux, précieux et reconnu à ce titre, vous le soulignez également, par la Constitution. Précieux parce que vous êtes les vigies de notre République. Vous alertez, vous proposez, vous anticipez, vous conseillez. Précieux parce que vous êtes un cœur battant de notre démocratie sociale. D'ailleurs, quand je viens ici, c'est généralement pour discuter des orientations sociales de l'année à venir. Le chef de l'État s'exprimera la semaine prochaine pour les vœux aux forces économiques et de l'emploi, mais aussi pour donner un certain nombre d'orientations supplémentaires dans l'indispensable mobilisation pour l'emploi. Et nous recevions hier avec la ministre du Travail l'ensemble des partenaires sociaux. Vous illustrez, à l'heure où certains voudraient court-circuiter les corps intermédiaires, vous illustrez la capacité de la France à se réformer par le dialogue, par l'intelligence collective, par l'écoute. Je serai à partir de 15 heures dans la mêlée des questions au gouvernement. Tout ça sera, je n'en doute pas un seul instant, très intelligent, mais je n'y retrouverai pas forcément la même ambiance de travail de ce moment. Et ce dialogue est la condition de réformes claires et comprises, et de réformes surtout durables. Il est à la mode d'ailleurs de mettre en cause ces corps intermédiaires, les acteurs de la société, et au fond de considérer que tout cela fait perdre du temps. Non. Dans des sociétés mûres, démocratiques, intelligentes, Michel Rocard disait que les Français étaient d'une intelligence confondante, il faut donc échanger, débattre, se respecter. Et puis, c'est normal, c'est le rôle de l'exécutif, du président de la République, du gouvernement, de trancher et d'assumer ensuite les décisions qui sont prises. Précieux également, vous l'êtes, parce que vous êtes l'expression de ce lien, et ce mot de corps intermédiaire le dit bien, entre la puissance publique et les citoyens. Précieux enfin parce que vous incarnez, plus que d'autres assemblées, en tout cas à ce stade, la diversité de notre République. Diversité des parcours, diversité des métiers, diversité des points de vue. Je pense notamment, mais pas seulement, aux conseillers des Outre-mer qui représentent la nation française sur trois océans, ou aux organisations de jeunesse étudiante qui ont été, je le crois, particulièrement actives au cours de la dernière mandature. En somme, je reprends vos mots, vous incarnez le rassemblement de tous nos concitoyens. Et cette richesse, cette diversité, vous la mettez au service de l'intérêt général. Faites-vous mieux connaître, au fond. Comme ça, on dira moins de bêtises sur le CESE, sur la qualité de vos travaux, mais aussi sur ce qu'est votre représentation. Il n'y a pas beaucoup de lieux, encore une fois, dans la République où il y a cette richesse de la diversité de ce que nous sommes, nous Français. Et notre mission, à tous ici, alors que de plus en plus de Français se défient du politique, se défient de la parole publique, doutent de la capacité des institutions à changer les choses, c'est justement de leur redonner confiance et de leur redonner l'envie de construire un avenir ensemble, de l'optimisme. Le CESE peut, dans cette perspective, être donc plus utile encore. C'est le projet que vous portez, Monsieur le Président, avec votre bureau élargi à toutes les composantes du CESE, avec les conseillers et les organisations qui les ont désignés. Le projet aussi du Collège des personnalités qualifiées, choisi par le Président de la République et le gouvernement. C'est un travail très minutieux. Nous avons pris beaucoup de temps pour faire ces choix. Mais la qualité de ces nominations, j'y ai participé, mais c'est une conviction, a d'ailleurs été, je crois, plus sérieusement, unanimement reconnue. Votre tâche est de faire évoluer le CESE pour qu'il soit plus en phase avec le processus de décision publique, plus en phase avec les attentes
de notre époque. Un enjeu majeur pour cela, c'est de faire que les organisations désignant leurs représentants au CESE s'approprient pleinement ces travaux dans leur action quotidienne. Je pense en particulier aux organisations syndicales et patronales. Elles doivent, de mon point de vue modeste, s'appuyer davantage sur la dynamique de consensus à l'œuvre ici pour dépasser les postures ailleurs, chercher les points de convergence et faire ainsi aboutir les négociations, non par le bas, en trouvant le plus petit dénominateur commun, mais par le haut, en réfléchissant aussi à des solutions d'avenir. Ce doit être notamment le cas, par exemple, pour ce rendez-vous crucial qui approche sur l'assurance chômage. Et tout le dialogue social peut plus généralement en bénéficier. Je sais que les partenaires sociaux discutent aussi de nouvelles modalités d'organisation des grandes négociations interprofessionnelles. Le CESE pourrait, dans de très bonnes conditions, accueillir ces débats. Il faut également resserrer les liens. Nous en avons parlé l'autre jour. Ce n'est pas un débat nouveau. Entre le CESE et les conseils économiques, sociaux et environnementaux des nouvelles grandes régions. Nous avons nous-mêmes pour ambition, dans la mise en œuvre de nos politiques publiques, de faire plus confiance au terrain et resserrer les liens aussi, c'est dans votre projet, avec le Conseil économique et social européen qui vient d'être renouvelé. D'ailleurs, nous nous sommes dit que nous avions une obligation pour les grandes régions, c'est que le mot « environnemental » vive pleinement, là aussi, dans ces institutions régionales. Dans cette démarche que vous menez pour renforcer le rôle de cette institution, le gouvernement est à vos côtés, sera à vos côtés. Cela implique d'abord que nous ayons plus nous-mêmes le réflexe de vous saisir pour avis. Les chantiers de la rentrée 2016 sont nombreux et sur tous ces chantiers, nous devons travailler ensemble, proposer des réponses concrètes et, quand nous vous avons saisi, éventuellement suivre l'avis que vous nous proposez. Le premier sujet, bien sûr, l'emploi. Le président de la République, je viens de le rappeler, présentera devant vous lundi prochain l'ensemble des nouvelles mesures que nous devons prendre pour aller encore plus loin dans la mobilisation et dans la lutte contre le chômage, et notamment le chômage de longue durée. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, s'engage quant à elle sur un projet de loi donnant plus de marge de manœuvre aux entreprises et à leurs salariés pour prendre à leur niveau, au niveau de l'entreprise, les décisions qui les concernent. Cela implique de renforcer la culture du dialogue social en entreprise. Et je vous annonce d'ores et déjà que nous vous saisirons dans les prochaines semaines d'une demande d'avis pour approfondir les préconisations du rapport Combrexelle. Nous voulons également ouvrir davantage notre économie aux possibilités de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Nous vous solliciterons sur ce sujet avec une demande d'avis portant en particulier sur les moyens d'accompagner le développement du travail indépendant, indispensable. C'est une des grandes révolutions du travail que nous sommes en train de vivre. Une autre demande concernera l'organisation territoriale, la territorialisation des politiques publiques de l'emploi et de la formation. Je suis en train de rencontrer les présidents des régions ou des nouvelles régions. Ils veulent s'impliquer, ils ont été souvent élus pour faire davantage en matière d'emploi, de formation et d'apprentissage. Il faut là qu'il y ait un lien entre ce que nous engageons au niveau national et ce qui peut se faire sur le terrain, d'autant plus que les régions ont des compétences essentielles dans ce domaine. Deuxième chantier après l'emploi, les suites à donner à la conférence Paris Climat. Cette conférence a été un succès diplomatique historique et une grande avancée pour notre planète. Il ne faut pas que les volontés retombent. Nous devons imaginer de nouvelles solutions pour protéger l'environnement, en développant les énergies renouvelables, en misant sur la croissance verte pour orienter notre industrie vers l'innovation et créer des emplois. Le président de la République, ce matin, à l'occasion du bicentenaire de la Caisse des dépôts et des consignations, a annoncé l'engagement de la Caisse des dépôts, de la BPI, mais aussi du plan d'investissement pour l'avenir en faveur de cette nouvelle économie. Je ne doute pas que vous pouvez également nous aider dans ce domaine. Troisième chantier, la cohésion sociale, territoriale de notre pays, qui était chère aussi à votre prédécesseur, à qui je veux rendre hommage.
Il faut nous appuyer sur les associations dans nos quartiers populaires, nos territoires ruraux, dans les Outre-mer, et je parle à des convaincus, car elles sont, grâce à l'énergie, à l'engagement des habitants, d'une très grande richesse. L'État doit lui aussi prendre ses responsabilités en s'assurant que tous les Français ont accès aux services publics, aux soins de santé. Et c'est le sens de notre action, et là aussi, nous écouterons vos propositions avec la plus grande attention. Voulons vous solliciter ensuite pour l'évaluation de nos politiques publiques. Aujourd'hui, trop souvent limitées à une évaluation financière, alors que vous pouvez y apporter toute la profondeur de votre analyse. Je suis ouvert à l'idée d'expérimenter dans les prochains mois une saisine conjointe de la Cour des comptes et du CESE pour bénéficier d'une approche complète. Et je suis convaincu que cette piste sera porteuse et nous devrons choisir très vite un premier champ de travail conjoint. Il faut sans doute également faire évoluer l'exercice du rapport sur l'état de la France pour le concentrer peut-être sur un ou deux thèmes chaque année. Nous devons donc vous solliciter davantage. Nous devons aussi mieux valoriser le travail du CESE et nous appuyer en effet sur vos conclusions, surtout quand c'est nous qui vous saisissons. Je sais que le bilan est de ce point de vue inégal, même si certains de vos travaux récents, et je pense en particulier à votre rapport sur les travailleurs détachés, ont été extrêmement utiles avec un retentissement qui a même dépassé les frontières du pays. Enfin, pour renforcer le lien entre votre institution et le gouvernement, je vais demander au secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement d'être non pas votre interlocuteur exclusif, mais votre interlocuteur privilégié avec comme mandat de suivre vos travaux pour voir comment ils peuvent nourrir nos réflexions au-delà des relations que vous avez avec les ministres et les différents cabinets ministériels. Mesdames, Messieurs, il y a un an, presque exactement, c'était le 11 janvier, les Français se sont levés, nous l'avons rappelé tout au long de ces derniers jours, dans un formidable élan. Ils se sont levés pour dire que face à la barbarie, ils étaient soudés, unis autour de nos valeurs et de ce que nous sommes. Nous connaissons la menace terroriste. Elle a frappé notre pays. Elle vient encore ce matin de frapper la Turquie, Istanbul. Et nous savons que nous pouvons être frappés de nouveau. Et donc nous devons, face à cette menace, nous armer, bien sûr, c'est ce que nous faisons en soutenant l'ensemble de nos forces de sécurité, en nous donnant les moyens pour y faire face. Mais nous devons nous rassembler et faire appel à nos valeurs. Un nouveau patriotisme est né, qui ne doit plus faiblir. Une fierté d'être français, qui est aussi pour chacun d'entre nous un commandement, celui d'être à la hauteur, en dépassant les clivages partisans pour nous concentrer sur l'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de débat, que les différences seront estompées. Au contraire, le terrorisme a voulu attaquer la démocratie et la meilleure réponse au terrorisme, à cette guerre qu'il nous mène, c'est l'état de droit, c'est la démocratie, une démocratie vivante, et qui soit capable de répondre à l'attente des Français et à leur exigence. Et je suis convaincu que c'est de notre responsabilité que d'y répondre à cette attente des Français. Et je suis tout aussi convaincu que vous, ici, dans cet hémicycle, dans vos travaux, vous ferez œuvre utile. Et nous avons besoin de vous et nous avons besoin de chacun ici pour faire vivre cette démocratie. Voilà quelle doit être notre exigence à nous tous qui, de diverses manières, avons cette belle, cette magnifique responsabilité de représenter les Français. C'est un immense honneur. Je ne doute pas que vous serez à la hauteur de cette exigence. À chacun d'entre vous, une très belle et fructueuse année 2016. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.